some sense of waiver. Like I said, nigga, the braver. Fuck out some waiver. Nigga, the world's a dreamer. Man, the world's a demon. Nigga, the world's a dreamer. Tout le monde comme ça. À bas le festival comme ça, tout le monde. À bas le festival. Magnifique qu'on a eu ce soir. Parle-nous un peu. Merci. De ce show. Ce show, c'est vraiment c'est la tradition de chez moi. Mm-hmm. Donc, mes parents sont morts tôt et puis j'ai grandi avec ma grand-mère. Donc, en écoutant cette musique, vous voyez, il y a des voix de mère, il y a des voix de mes grands-parents. Donc, il y a le côté vraiment traditionnel de chez moi parce que j'ai grandi avec ma grand-mère. C'était une percussionniste en plus. Elle était percussionniste, elle était choriste. Et tout ça vient d'elle, quoi. Les inspirations. Et puis mon oncle qui m'a formé dans la musique, François Mantuila. Donc, je viens d'une famille des artistes. Donc, c'est le mélange de tout ça. Et puis, amener un côté touche afro-futuriste, quoi. OK. Un touche afro-futuriste, on va parler de ça, de cette expérimentation. Je ne sais pas comment l'expliquer. En tout cas, c'est quelque chose qu'on voit souvent avec les groupes congolais. On peut en parler avec Jupiter, on peut parler avec Stapenda Fassili. J'en passe, quoi, tous ces genres de groupes. Comme Wanna Star et tout. Mm-hmm. Mais comment ça se fait que tu continues à faire ce style de musique, alors qu'on sait que c'est un style de musique qui est très visé par les Congolais? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut tout le temps que cette nouvelle génération puisse continuer à faire cela, ou bien c'est une inspiration qui t'a poussé à le faire? Donc c'est moi que tu vois, quand je joue, tu attendais un peu, il y a le côté congolais et puis il y a le côté pop, il y a le côté rock, il y a le côté roots. Donc c'est le mélange de tout ça qui donne Kizaba, quoi.
Donc c'est vraiment ce côté-là. Et puis il y a Gondéville qui joue avec des samplings, avec des voix que j'ai fait. J'imite les grand-mères. Donc j'essaie d'imiter la voix de ma grand-mère. J'essaie de faire des sons plus futuristes, genre Skrillex. Il y a des gens qui connaissent, qui écoutent l'électro, ils peuvent savoir le côté Skrillex et Gondéville. On travaille sur un nouvel album qui va être un super album aussi. Donc c'est le mélange de tout ça. Qui, même pour les Congolais, la première fois ils m'ont écouté pour un festival ici au Congo, ils ont rien compris en fait. Ils ont dit, mais après à la fin, ils font la guitare congolaise. Ils ont dit, ce mélange-là, c'est incroyable. Quoi. This is Fumalongo song. Fumalongo is ancêtre. Aïe, aïe, ma Fumalongo, m'bati qui tient que ça y est. Yeah, it's a tailor.
Mais revenir aussi à, il y a l'album qui va sortir très bientôt. Mm-hmm. Et tu fais partie de beaucoup de projets qu'on a vus ici. Mais ce soir, on a vu tout le travail que tu as eu à faire, ou bien le travail qui va être vu dans l'album. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on va s'attendre encore de plus, au-delà de ce qu'on a vu ce soir, dans l'album qui va arriver? De plus, il y a des textes en français que je chante pour la communauté québécoise, et puis des chansons en anglais. Mm-hmm. Le Lingala pour des Congolais qui me suivent maintenant et depuis qu'ils m'ont découvert ici à Montréal, la communauté congolaise. Et il y a des guitares aussi, tu vois, Aboulaye qui amène du côté mandingue, oui. Ces mélanges-là. Puis tu vois Jean-Claude qui amène du côté congolais et puis Gondé Villa qui sont aux touches de DJ. Donc c'est même un mélange de tout ça qu'on va voir dans l'album. Ça va être encore plus que ça parce que quand l'album va sortir, je pense que les mires vont tomber au niveau du son. Tu as parlé d'Abdoulaye tout de suite. Il faut comprendre qu'aussi, c'est Abdoulaye Chadi va apporter une autre touche qui est un peu plus de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi on rappelle que tu viens de l'Afrique centrale, de cette partie de l'Afrique, en tout cas de l'Afrique centrale. Là. C'est ça. Et tu vas apporter cette touche de l'Afrique de l'Ouest dans la musique. On a vu Abdoulaye aussi faire des trucs mandingues dedans. Mm-hmm. C'est quoi cette inspiration là? Cette inspiration là, c'est parce qu'on aime être sur la scène, quoi. On adore ça jouer. On peut jouer 3 heures du temps non-stop. Donc on veut mélanger ce côté là pour aller partout en Afrique, faire l'Afrique, faire l'Asie, faire l'Europe, faire l'Amérique, quoi. C'est cette touche là qu'on veut faire, quoi. On veut faire plaisir à tout le monde et puis partager cet amour des musiques, partager la culture de mon pays, tout ça. Ben, c'est un plaisir en tout cas de t'avoir eu sur ce festival. C'est un show extraordinaire. J'espère qu'on aura l'occasion de plus parler, développer encore à Toronto. Yeah. Quand tu vas venir, on essaiera de plus développer l'album, les choses qui vont arriver. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et qu'est-ce qui va arriver bientôt? Je me souhaite bonne chance et puis préparez-vous pour l'album qui s'en vient, quoi. Allô, coucou l'embellé. Ça va bien, bébé? J'ai quelques courses, après on se rend plus tard. Ok? Aïe aïe aïe. Toronto, thank you.